Une autre question pour Madame Poignet, qui habite Gascogne. Oh, qui est veuve, évidemment. Elle est de Portes, j'imagine. Écoutez, elle est de Gasta, en Seine-et-Marne. Véronique Poignet. Et là, la question concerne... Elle est veuve ou pas? J'en sais rien. Une heureuse nouvelle. Ça fait toujours plaisir, les mariages. Et on nous annonce un mariage incroyable dans la presse aujourd'hui. Qui, à 34 ans, a décidé de convoler en juste noces, comme on dit? Une femme ou un homme? Un homme. Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, non. Un homme avec un homme? Un homme avec un homme, oui. Ah, j'ai vu ça quelque part. Mais alors là, c'est un mariage assez étonnant. Est-ce américain? Que ce n'est pas... C'est pas le fait que ce soit un homme avec un homme. Oui. C'est le fait, parce que ça, bon, aujourd'hui, c'est quelque chose de légal dans de nombreux pays. Et d'ailleurs, autant vous le dire, ce n'est pas en France que ça se passe. Ce ne serait pas en Irlande? En Irlande, non. En Angleterre? C'est quelqu'un qui a fait en même temps son coming out et qui a épousé? Ah non, pas du tout. On savait c'est déjà qu'il aimait les hommes. Monseigneur Lustiger. Il en est mort. Le pape François. Le pape François. Le père Di Falco. Non. 34 ans et le 26 juin prochain, ils se marieront. Un footballeur. C'est un président. Footballeur. Donc, quand vous allez savoir, si écoutez, soit vous le saviez et vous me donniez la réponse. Si vraiment vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'imaginer. Ah bon, c'est un chanteur. Un chanteur, politique, non. Un artiste. Un artiste. Alors vraiment, si on le considère comme un artiste, il faut vraiment être pervers. Ah bon? Marcel Amand. Mais il est anglais? Il n'est pas anglais. Américain? Américain. Mais en tout cas, il est passé sur le territoire français. Il chante? Là, je vous aide un peu. Il chante? Non. Ah. Il est passé en touriste sur le territoire français? En touriste, ce n'est pas tout à fait le mot. Un homme politique? Un homme politique, non. Et on n'a pas trouvé sa nationalité. On le connaît bien, Ah, on le connaît, oui. Je ne suis pas sûr que vous me donneriez exactement son nom, mais je vous demande tout simplement qui c'est. Même si vous me donnez... Un sportif, non. Un comédien, non, mais connu de manière internationale, en tout cas. Ah. Par un fait divers, oui. Ah, le japonais cannibale. Pas le japonais cannibale. L'anglais cannibale, l'américain cannibale. Ah oui, et celui qui est en prison au Canada, là, qui a mangé son amant. Magneto, oui. Magneto. Ah, je vais vous accorder la bonne réponse. Magnotta. Luca Rocco Magnotta, oui. 34 ans, le dépeceur qui avait mangé son amant, qui était passé par la France et qu'on avait rattrapé parce qu'il s'était échappé, qu'on avait rattrapé à Berlin. Il épouse qui? Les cendres, le cadavre. Non, ce serait l'art d'accommoder les restes. Il est peut-être devenu vegan. Eh ben non, il épouse un de ses co-détenus. Michael Rosbif. Le 26 juin, il va se marier avec un de ses co-détenus, Anthony Jolin. Ils se marieront au pénitencier, et non pas au pénitentier, parce que ça, il y en a déjà un morceau de partie. Vous me l'avez enlevé. Vous me l'avez enlevé de la bouche. Comme quoi, t'es bi. À Port-Cartier, au Québec. Le mariage va avoir lieu au Québec le 26 juin prochain. Et c'est la maman de Luca Rocco Magnotta qui servira de témoin. On se rappelle qu'en fuite, après le meurtre de son amant, il était passé par la France avant d'être arrêté à Berlin 10 jours après son crime. Il faut être courageux pour épouser un type qui a bouffé son amant. Ils sont déjà tous les deux en prison. Ils sont... oui. C'est vrai. Bon. Et ils vont y rester tous les deux dans la même cellule. Ils sont perpètes, oui. Ah ben non, tous les deux dans la même cellule. Non, mais c'est très stressant pour le jeune marié. Chérie, je vais te bouffer le cul. Je l'aime tellement que j'en reprends un bout. Ah oui, ça va être affreux. Ah non, ça va être un beau mariage. Mais alors, où est-ce qu'ils vont aller en voyage de noces? Une noce dans le micro-ondes. Oh putain. Ah non, c'est chouette quand même. Ah oui, c'est marrant. J'ai pas dit bonne réponse de moi-même. Bonne réponse de Laurent Baffie avec vous pour trouver ça.